vida, la vida, la vida, la vida, hey. Tombez-leur, tombez-leur, cherchez l'oseille. Doucement. Mais c'est lui, il a rien fait, il a rien fait. Elle est encore là, elle. Bah on va l'emmener apparemment en tout cas. Hé, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Laisse-moi faire, calme-toi. Laisse-moi faire. T'en as rien contre eux, calme-toi. Un de mes meilleurs amis s'est fait tabasser. Et j'ai rien pu faire. Vos souvenirs sont assez sombres et violents. Et vous semblez souvent rien pouvoir faire. J'ai essayé de l'en empêcher. Je lui avais dit de pas travailler avec le B. Mais il m'a pas écouté. Le B, il allait payer. Et il a payé. C'est clair ici. C'est bon les gars, il est menotté. Ok. Oh, je t'avais même pas vu. Oh, tu m'as fait peur. Non, ça va, t'inquiète. Ça va? Tu m'as l'air chelou. C'est quoi ce papier là? Non, c'est rien, c'est ma fiche de paye. Franchement, je touche pas beaucoup ce mois-ci et puis... c'est rien, t'inquiète. Ah ouais. Ouais, Nice, Nice. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Hein. C'est Pico qui a trahi le B. Hein. Il a filmé, il a envoyé ça à la police. Et moi, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Hein. T'es sûr de toi? Et maintenant, il veut te faire porter chapeau. Et tu vois, pour l'amende de Walid, il veut te la faire payer. Hein. Mais pourquoi tu me dis ça? Tu bosses pas pour lui, toi? Non. Je bosse pas avec Pico, moi. Moi, je bosse avec le B. Pico, c'est un traître. Donc, je te crois. Enfin, attention à toi, rentre pas dedans. Hein. Vas-y, on s'attrape. Je vais gérer ça. Alors, tu t'es décidé à partir à Londres? Ouais, c'est bon. Tout est réglé, là. Et tu l'as dit aux autres pourquoi tu vas vraiment? Qui? Zineb, ta mère, Célia, Anis. Ma mère et Célia, elles vont pas comprendre, ça sert à rien que je leur dise. Anis, je sais pas. On verra. Mais attends, t'as trouvé une adresse, une piste? Pas grand-chose, mais regarde ce que j'ai trouvé là, quoi. Et tu penses que ça va t'aider, ça? J'espère. Bon, allez, viens voir. Ouais. Eh, tu sais que j'étais pas dans le coup avec le bullet à l'enfant. Pourquoi tu me dis ça? Là, je te le dis, c'est tout. Et les affaires, c'est moi qui les reprends maintenant. Et l'amende de Walid, si tu la payes aujourd'hui, je te la baisse moitié prix. Déjà, je sais pas pourquoi tu dis tu, mais moi j'ai rien à voir dedans. Et Walid, il s'est fait déchirer là. Ça pas suffit ça? Eh poto, c'est les règles du jeu, faut assumer gros. Mais gros, moi j'ai pas d'histoire. Déjà, le B il nous a piégés. Là, il est au placard, c'est tant pis pour lui. Moi, je travaille mon petit travail, je suis dans mon coin tranquille, j'emmerde personne. Alors laissez-moi tranquille, frère. Eh poto, me raconte pas ta vie. Dis-moi, on fait comment pour la montre de Walid? Mais t'inquiète, on va s'arranger pour ça. Y'a des rumeurs qui courent là. Comme quoi, c'est toi qui la poucave le B. Quoi? Tu me rends pour quoi? Mais moi, je te crois pour personne, frère. Mais t'as vu les gens, quand ils vont entendre Pico, ils vont croire, c'est vrai. Moi, que ce soit toi ou pas, j'en ai rien à foutre, moi. Mais les gens, ils vont y croire. Attends, tu me prends pour une poucave et tu veux marchander? Eh, je te prends pour personne, frère. Mais juste t'as vu, là, l'amende de Walid. Tu l'annules, et moi, si on me dit, est-ce que c'est Pico, dis, il a rien à voir dedans. Ça marche vite ici, hein. Tu sais comment ils sont, les gens. Là, je te propose un plan qui arrange tout le monde. Vas-y. C'est bon? Vas-y, je vais gérer ça.
Le temps que ça se règle, vas-y. J'ai tout fait, refait, je rentre pour le blé. J'suis là pour le trophée. Dis-moi ce qui t'amène. Pour les armées, j'ai pas de place, pas de permis. On dit jamais, jamais. Belle et ta vie. J'ai tout fait, refait, je rentre pour le blé. J'suis là pour le trophée. Dis-moi ce qui t'amène. Pour les armes, j'ai pas de place, pas de permis. On dit jamais, jamais. Belle écoute ta vie. Attends, sa mère, t'as vu ce qu'elle me fait quand même? On est d'accord, c'est quand même un truc de ouf, non? Hein? Adia? Ouais? Ouais, merci. Putain, genre vraiment, c'est. Bref, en tout cas, moi je la laisserai pas passer. Et encore heureux qu'elle t'a même défendu parce que punaise, je réagirai pas pareil. Tu me connais de toute façon. Oh là là. C'est vraiment de... Ouais. Ça va pas? Si, ça va, t'inquiète. Ça va. T'es bizarre quand même. Ah bon? Mais ouais, t'es là, t'as le regard dans le vide tout le temps. Je sais pas, t'es pas très présent. Non, ça va, t'as fait. Adia. Adia. Dis-moi. En fait, tu vois, ça. Ça fait plusieurs mois déjà, ça va pas. J'ai du mal à respirer. Et t'as vu, dans ma famille, on aime bien les problèmes cardiaques. Et du coup, j'ai dû faire des examens. Ah ouais? Je comprends mieux maintenant pourquoi t'es tout le temps fatiguée. Et eux, ils ont dit quoi? En gros, je dois prendre un traitement. Mais franchement, il n'y a pas moyen que je le prenne, là. Il y a trop d'effets secondaires, c'est pas la peine, laisse tomber. Punaise. Adia, stop. Vraiment, on parle de ta santé, là, on parle de ton je cœur. Sais. Franchement, je suis perdue, je sais plus quoi faire. Il n'y a pas d'être perdue. Je suis fatiguée. Je sais. Faut vraiment que tu le prennes. On va faire reprendre les affaires. Mais toi, t'as du sacré culot, toi. Pourquoi l'histoire, elle est réglée? Rien n'est réglé, vas-y, casse-toi, là. Mais je gère, de toute façon. Et fais comme à Nice, là. Cette fois-ci, y'aura pas de problème. Et vas-y, fais comme ton pote à Nice, là, rabossier, là. Vas-y, casse-toi, de là. Mais ça va être réglé, attends. Mais attends, attends. Tu vas te niquer ta race, là, ta sale gueule de merde, là. Vas-y, dégage, va. Casse-toi, là. Sinon, c'était comment aujourd'hui le taf? Bah, je te mens pas, comment c'est dur, hein, et toi? Moi, ça va. Hein. Dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Je t'écoute. T'as vu, je pars et je dois aller récupérer mon passeport. Ouais. Sauf que j'ai un truc de famille à régler. Tu peux aller le récupérer pour moi? Bah, vas-y, direct. Bah, j'irai après le taf. Merci. Ça veut dire que tu vas vraiment partir à plus Francine. Ouais, ça y est, je me barre. J'espère que ça va se passer. Hein. Moi aussi, j'espère. Eh ben, tu sais quoi, quand tu me ramènes mon passeport, viens, on mange ensemble le soir. Ça fait... Pendant un an, on va pas se voir. Bah, vas-y, calme. Mais non, c'est tout quoi? Tranquille? Tu vas où là? Au Barbec, là, City, tu viens? Bah, mais moi je dois y aller carrément. Ça va et toi? Tu disais quoi déjà? On se voit pour manger? Après? Vas-y, pas de soucis. Promis, je te mets pas de plan cette fois-ci. Bah ouais. T'as intérêt? Ça a l'air de bien se passer? Les problèmes sont derrière vous? Ça, c'est ce que je pensais.
peu qui s'est fait payer. Flamme dans les yeux, il faut pas bégayer. Trop chico, et je sais pourquoi j'avais les crocito. La ville sur les réseaux, c'est du gros mytho. On peut parler à faire que dans les gros bigots. Et pourquoi? Ça fait si mal si je le fais, c'est pour toi. L'amour fait perdre la vue, si je t'aime pas, c'est pour voir. Je te paie l'addition, je te laisse mon cœur en pourboire. C'est trop tard, je te cours après, mais on sait qu'après c'est trop tard. Je veux des gros sourires, des gros billets, des grosses parts. J'ai laissé tous mes sentiments sur le trottoir. Ouais, Zé, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Je passe vite fait chez moi et on se rejoint, ok? Solo dès que je rentre. Ici, je joue les innocents. Bitches, ma pile fait du son. Elle a capté que c'est elle, je fais que toi. Je joue les nuits pour être saut. Je réponds pas, j'ai pas le temps. Sorry, sorry. Mon gâté, t'as dit quand même? Là, on m'a dit, t'as trouvé du travail? Ah, on est là, gros, tu connais, y'a toujours pas d'or, mais on est là, gros. Ah, bah, je comprends, mais t'inquiète, avec le temps, ça va aller. Ouais, t'as raison, t'as raison. De toute façon, dans cette ville-là, c'est que plata au plomo. Eh, vas-y, Tony, Tony, j'ai pas le temps là. Ou si on joue, ok? Vas-y, mon billet, hein. Vas-y. Ça te dérange pas trop, vas-y. Vas-y. Lâche-moi! Lâche-moi!